C'est quoi ton plat préféré, Antoine? Et ton plat d'Italie préféré? Sto carbonara! Je sais même pas trop en vrai. J'aime beaucoup les tout ce qui est, en vrai tout ce qui est globalement les plats qui viennent avec des pâtes. Hein, généralement j'aime beaucoup, mais voilà. Les pâtes au saumon j'aime beaucoup ça effectivement. Mais de toute façon les pâtes moi j'aime bien ça dans tous les cas tu vois. C'est... Moi j'aime trop les pâtes, je trouve ça incroyable. Vous avez vu la scène que j'ai fait le chat? Je suis pas une légende. Oh, Dieu. La mienne est légendaire également bro. Je suis un streamer professionnel. C'est vrai. C'est vrai. Okay, vas-y, alors attends. Okay, je regarde Énigme Hebdo. Ah non, mais merde, non. C'est quoi? C'est Défi du professeur? Ok. Genre par exemple, la maison du collectionneur. Ah, périmètre en mètre. Oula, non. On va faire boule et bille, mec. Ok. C'est chaud pour boule et bille? Vas-y, go. Vas-y. Putain, mec, on aurait pu se mettre sur Parsec et comme ça, je peux cliquer avec toi. Oh, ah. Soit t'es du... Mais c'est on fera ça la prochaine fois. Toi, mon gars, sans. Ah, quoi, c'est comme ça l'accent de. Ah oui, je te le fais parler comme ça. Ah ouais. 70 Picara. Pouh. Oh non. Oh, elle m'avait traumatisé. Oh, je l'ai. Oh non. Oh, je m'en souviens très bien. Et tu sais comment faire? Ouais, mais en fait, c'est long quoi. Parce qu'en fait, t'as pas exactement le nombre de. Enfin. Genre, c'est chiant quoi. Mais je me souviens, si je me souviens si que j'avais réussi à la masterclass, faire. Masterclass, mec, je suis complètement bloqué. J'ai fait une croix gammée sans faire exprès. Attends. Attends, bro. Désolé, bien sûr. À 19 minutes. Oh la masterclass. Parce que, en fait, ce genre d'énigme, il faut qu'on le fasse sur Parsec. Ouais, c'est de la merde. Attends. Ça, on peut pas le faire à deux. Non, mais essaye. Attends. Mais attends, mais je vais pas jouer tout seul. Mais essaye ton feeling. En haut, à gauche. J'ai zéro feeling, mec. À droite. À gauche, non. Attends. Voilà. Attends. Tu vas voir. Voilà. Et là... Attends. Théma. Ok. Merde, j'en... Mais putain. Je ne peux m'empêcher de... Voilà. Bon, lui, on l'a déplacé. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait déplacé, ce fils. Après... On va faire ceci. Et maintenant, toi, on va te déplacer là pour aucune raison, ok? Non, mais ça, c'est pas mal. Faire... Et comme ça, bleu tout à droite. Et toi... Et oui, voilà. Et toi, on te met là. Toi... Et merde, attends. Non, fallait mettre bleu tout à droite pour dégager un carré de plus. Oh, c'est trop bien, je backseat. Quoi? En fait, dégager un carré? Là? En fait, là, le problème, c'est qu'on a plus de... on a plus d'espace. Parce qu'il fallait laisser la bille bleue pour faire passer le truc bleu. Et ensuite, mettre la bille bleue au-dessus et remettre la jaune à gauche. T'as compris, ouais, mec? Ouais, j'ai tout capté, là. Oh, c'est trop... Oh, c'est le stream off de hier. Attends. Non, mais problème, mais merde. Ah. Attends. Et tant toi, rien. Attends. Quoi? Non. Mais pourquoi? Comment je me suis retrouvé dans cette situation? Ah, comme ça. Voilà. Attends. Tout en bas. Oh, c'est exceptionnel. Voilà. Et là, je sais pas quoi faire là. Et là, tu c'est FF? Là, c'est FF là. là, c'est fin de game. Là, c'est reset. Attends, bijoune. Mec, oui. La bille jaune, là? Oui, oui. Bah, tu la mets à côté du carré jaune et elles sont assorties. Ah, oh, j'en fous. Attends. Et si je... regarde. Ok. Attends. Hop là, c'est magnifique. Et du coup, Hop là. Et là, on a du battement. Et là... Bille jaune tout en bas. Non, tout en bas, bille jaune. Ouais. Tout à gauche, le truc bleu. Ouais. Et ça fait une figure trop stylée. Ah ouais. Attends. Est-ce que je ferais pas... Est-ce que ce serait pas de sortir la petite boule verte? Oh, non, oui. Ok, elle rentre chez elle. Ouais. Attends, il faut... En fait, tout simplement, la vraie solution, mec, c'est de... Écoute-moi bien. Il faut faire ça, puis ça, pour pouvoir faire baisser ça, ouais. Afin de... Mais de toute façon, il faut que tu libères le truc vert en mettant la truc verte à gauche. En fait, la bille verte à gauche, elle nous casse les couilles. Parce qu'en fait, il faut ranger ce rectangle vert de merde là. T'as raison, hop là, ça dégage cette merde, hop là. Et de toute façon, la rouge, mec, elle doit tellement parcourir de voyage.
Ouais, de fou. Oh, tu mets la rouge à droite et tu fais. Ouais. Attends, regarde ça. Ouais. C'est masse ce truc. Ouais, exactement. Ok. Et là, c'est de la merde, tu vois. Là, c'est nul à chier. Mais là. Là, c'est nul, tu vois. Attends. Mais là. Et attends. Attends. Ouais. Il y a peut-être un dos, il y a peut-être un monde. T'as compris? Ah, c'est ouf. Il n'y a rien là-dedans. Bah, t'as fait le L de loser. Impossible. Putain, c'est tellement facile à faire comme ça, là. Ouais. Attends. Non, c'est de la merde. Oh putain, attends. Et attends. Ouais. Ouais, attends, Théma. Et là. Et attends. Et toi, il faut te. Voilà. C'est mal, non? J'arrive pas, mec. L'énigme est impossible, je pense. Je pense qu'on est je pas... pense. Non, mais je pense qu'on n'est pas bloqué en vrai. Attends, baisse le carré jaune. Oui. Mets tout à gauche le bleu. OMG. Voilà. Le génie. Voilà. Mais t'as raison d'être un génie, mec. Écoute-moi. Mais je t'écoute. T'es un génie, t'es trop fort, t'es tellement puissant, c'est abusé. Là, c'est un peu chiant. Attends, mets tout à gauche là le bleu là. Tout à gauche le bleu. Fais-moi passer la jaune. Et fais-moi une rota, genre. Tu sais, là, tu baisses la verte en bas, tu mets la verte tout en haut. Voilà, là, tu mets l'os vert tout en haut. Tu mets la bleue, tu sais, tu me la décales un peu, là, tu me la tic. Tu mets le truc jaune un peu tic. Tu mets le vert, tu sais, tout en haut, voilà, comme ça. Là, tu me cales la bleue, tu fais tout à gauche, tu fais vlouf, vlouf, vlouf. Voilà, là, tu baisses comme ça. C'est perdu. Non. Ah oui! Non, attends, mais c'est pas mal! Attends, regarde, je fais ça. Oui. Regarde bien. Ouais, ok. Attends. Et attends. Regarde, attends. Non, merde. Attends. Merde. Attends. C'est nul. Non, attends. Oh. Putain! Attends. Là, on va se les mettre là. Voilà, ils sont tranquilles, ils sont chill. Tranquille, croquet. Ils sont croquants, ils sont fondants même, je dirais, pour certains. Okay. Le problème, c'est je l'ai peut-être pas fait dans le bon ordre, parce qu'en fait, là, du coup, la bleue, elle bloque forcément le carré. Le carré ne peut jamais descendre à cause de cette merde, vois-tu. Alors qu'il peut monter, par exemple. Il peut monter, par exemple. Monter. Ok. Il peut faire ça. Et maintenant, c'est nul. Voilà. Alors, attends. Attends, j'ai l'impression que là j'ai l'impression qu'on est... un peu perdu. Attends. Est-ce qu'on peut bloquer si on met tout en bas? Attends, toi. Attends, regarde. Attends. Ouais. Là, il y a un dos, là, il y a un truc, là, il y a quelque chose. Là, ouais, je sens qu'il y a quelque chose, là, monsieur. Non. Il y a quelque chose, monsieur. C'est gagné. Et attends, maintenant, comment je fais? J'allais dire non, parce que je voulais mettre la jaune avant, mais... Attends. Comment je m'en sors? C'est gagné, là. C'est vraiment gagné, hein. Ah ouais? Je suis pas sûr que ce soit gagné en vrai. Franchement, j'ai du mal à voir en quoi c'est gagné. Ouais. Attends. Voilà. Là. Et là, c'est bon, tu décales tout? Ouais, mais sauf que... Arrête! J'ai re-été nazi! Je suis désolé. Attends, mec, mets la bleue. Attends, prends la bleue. Mets la bleue en haut. Genre, prends la bleue là. Voilà. Et décale-la tout comme ça. Je fais ça. Comme ça, tu bouges. C'est perdu. Attends. Parce que... En fait, genre... On va pas pouvoir bouger le... En fait, on va pas pouvoir avoir de battement, quoi. C'est ça, le problème. Là, ça m'a l'air d'être compliqué, maintenant, là, le truc. Hein. Le truc... putain. Mais je voudrais... Non, vraiment, attends. J'ai pas joué pour le best-of, là, je te promets, j'ai pas... Ça commence à faire beaucoup, mec, hein. Ouais, bah pardon, excuse-moi, je ne peux m'empêcher, voilà, c'est tout. Bah, écoute, là, c'est un peu complexe. J'ai pas main. Trop dur de ne pas être nazi dans le jeu là. C'est obligé de moment de faire le nazi en fait. Parce que c'est bloqué quoi. Tellement dur. Je sais pas. Attends. Est-ce que. J'ai aucune idée mec. Attends, mais on y est presque mec. Donc, bah oui, on en a rentré deux. Non, trois mec. Donc c'est le dernier. Le 3, pardon, excuse-moi, je ne sais pas compter. Attends, en bas.
En fait, je me dis... fait, on va être obligé de bouger des boules qui est déjà rangée. En fait, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on va devoir rebouger? Bah, je pense que c'est un peu obligé. En fait, l'idéal serait de faire... Mec, viens, on peut faire ce qu'on fait. On fait la technique manège. Genre, mets la bille jaune vers le bas. Non, vas-y. Mets la bille jaune vers le bas. Là, tu bouges. Tu bouges le bleu. Ouais. Tu mets la bille jaune vers la droite. Oui. Tu bouges le vert. Tu fais comme ça. Et genre, tu sais, tu fais une rotation comme si c'était l'heure. Non, genre, tu sais, la jaune en haut. Oui. Non, mais tu sais, genre, la jaune en haut, et comme ça, tu refais passer le bleu derrière. Et voilà, comme ça. Genre, t'avances comme ça, en mode échic et tchac. Et là, on continue. Je refais la même chose. Comment? Genre, là, on tourne. Genre, là, tu tournes. Mais là, qu'est-ce que je fais là? Attends. Non. Attends. Non. En fait, le carré jaune, il faut qu'on le déplace. Enfin, il casse les couilles, le carré jaune. C'est que lui bah qui... Ah oui, il casse les couilles, le carré jaune, là, putain. Attends, si tu mets le carré jaune un coup en haut, ouais. Le vert un coup en haut, ouais. Le bleu un coup à gauche, ouais. La jaune comme ça, comme ça, oh. Comme ça, comme ça, en haut, là, maintenant, la bille jaune en haut. Ouais. Attends. Bah oui, bah oui, tout. Oui, oui. Voilà, messieurs dames. Oui. I did it, vient de dire Luc. Oh, le divertissement. Et on est reparti. Putain, c'est trop. Vas-y, en vrai, ouais. j'étais sceptique sur le fait de le faire à deux, et en vrai, c'est trop marrant. Non, c'est très bien. Chiffre clé. Oh là là, moi, c'est des énigmes pas... mathématiques dans le jeu. Moi, j'aime bien. Et c'est donc du résultat de cette énigme. Vas-y. Alors attends. 70 picarats. Vous faites face à une porte dont la serrure est pour le moins inhabituelle. Pour ouvrir ce verrou étrange, vous devrez placer des pièces numérotées de 1 à 9 dans les emplacements appropriés. La porte se déverrouillera une fois que les chiffres multipliés horizontalement ou verticalement donneront exactement le même résultat. Vous disposez de 9 pièces, mais la serrure ne présente que 7 emplacements. Deux des pièces seront donc inutiles. FF. Ok, c'est... attends, il me faut un... J'ai pas de stylo. Attends, ouais, mais non, c'est pas... Non, mais en vrai, je peux le faire tête. Moi, je fais des runs stylo-less, mec. Attends. Alors, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Attends, comment ça met des chiffres dans le truc, là? Genre, comment ça met, genre, attends. Tu mets 3, tu mets 4... Attends, voilà, attends, admettons. Je fais... Hop là. De quoi, attends, c'est multiplié horizontalement. Ouais, donne-moi tes chiffres au hasard. Genre, il faut que je me visualise. Bah, 3, genre... 5, 4 horizontalement au milieu. Là, tu le vois, de toute façon, tu le vois. Ouais, 3 fois 5 fois 4, ça fait 60. Et 2 fois 4 fois 6, ça va faire 48. Ça va, go mettre en hémotonie pour qu'il n'y ait pas de... Pour qu'il y ait... Ouais, après, non, mais je pense... Pas, ouais. Je lis pas, là, 7 fois 4 fois 2, ça fait 56. 56, fois... tu dis, pour 7 fois 4 fois 2? Ouais. 7 fois 4 fois 2, ça fait 56. Et 3 fois 4 fois 5? Et 3 fois 4 fois 5, ça fait 60. Du coup... Attends. En vrai? Attends, ça fait 60, tu dis? Et ouais. Là, je fais ça? Et si je fais ça? Et là, ça fait 48. 48, bah oui. Attends, il faut... Je pense qu'il faut... C'est une équation simple, en vrai. Parce que si alors moi, je dois t'admettre que vraiment, l'esprit mathématique, là, je l'ai pas trop, mon bro. Attends. J'ai juste profité pour remercier quelques subs en attendant que tu fasses tes calculs, mon bro. Attends. Ça, je l'ai pas fait. Attends. Attends. Il me semble que c'était au programme de CE1, par contre, Étoile, tu feras gaffe. Attends. Moi, je pense, mec, que la bonne réponse, c'est ça. Dis-toi. Regarde. Attends. Regarde ce que je viens de faire, mec. C'est une masterclass. Non, c'est pas... ça va. Ça marche pas. Ah ouais? Parce que 45 fois 3, ça fait 135. Ça, c'est ce que tu crois, mec, en vrai. Ok. Et maintenant? Attends, il me faut un stylo. Je crois que je l'ai. Attends. Vas-y. Je crois que je l'ai, mais il me faut un stylo pour vérifier.
L'étoile qui fait genre, il a pris un stylo, il a tapé Solus Enigme 128, ah bah, Layton 1. J'ai pas mes doigts, attends. J'ai pas mes doigts, tu les as toujours sur toi, mec, arrête de mentir. Pas de stylo, frère. Attends. J'ai pas de stylo. Il n'a pas de stylo. Mais je peux y arriver. Parce qu'en fait, c'est un système à poser, mais il faut le faire stylo-less, je pense. Mais non, mais mec, en fait, juste dis-moi quoi mettre et t'as pas besoin de le faire stylo, bah, stylo en vrai. Attends, viens, on teste avec... Parce qu'en fait, la somme, enfin la multiplication, elle doit pas être trop élevée. Genre, si c'est trop élevé, c'est FF. Viens, donc, on tente... Donc, 8 et 9, faudrait peut-être les jarter dans tous les cas. En ouais, fait, c'est ça. La vérité, tiens ici, mec. Regarde, hop là. 35, 35, 6 fois 3, 18. La 24, ça fait 48. Non, là, ça passe pas. Non, c'est de la merde. Mets-moi un 8. Un 8. Ouais, mais alors, il faut virer attends, le 7 ici, et là, je te fous le 2 là. Et là. Au pire, tu mets un 1 pour contrebalancer. Non, le 1 et le 9, je pense qu'ils servent à rien. Regarde là, ouais, celui-là. Ouais, ça doit servir à rien. Celui-là, il est pas mal, non? Je me rends pas compte. Là, ça fait 8 x 4, 32. 80, non, c'est beaucoup trop. En fait, il va falloir... Tu peux pas mettre 3 chiffres forts sur la même ligne, c'est impossible. Parce que du coup, les 3 chiffres forts, ça va faire que... Oui, non, mais j'ai compris. J'ai compris. En fait, je pense que le résultat, il va être à 2 chiffres. En fait, c'est 2 chiffres à 100%. Du coup, il faudrait mettre un 1, mec. Là, tu penses? Genre un 1 ici, et par exemple, je mets le 3 ici et le 5 là? Ouais, là ça s'apporte. Là déjà, enlève-moi le 6 et mets-moi un 1, genre, à la place du 6. Je les intervertis. Ouais, là déjà, là on est à 32. Ouais. On est à 32. Ou peut-être qu'on veut équilibrer. Parce que du coup, le 9, il peut être équilibré. Oh putain, c'est dur, gros. Sans poser, c'est impossible. Attends. 8 x 4. 8 x 4. Et là, on a 3 x 2 x 8. 16, on a 48. Mais attends, mais c'est trop dur sans poser, frère. C'est impossible. Tu veux qu'on utilise un indice? Je veux voir ce qu'il donne en indice. Donne-moi le premier indice, je veux voir ce qu'il donne. Plusieurs combinaisons permettent de déverrouiller cette porte. En faisant preuve de patience et de méthode, vous finirez par trouver l'une des bonnes réponses. Pour les plus impatients, voici un indice plus clair. Vous n'utiliserez pas la pièce portant le chiffre 5. So long. Oh. Ok, pas de 5. Le 5, c'est ciao. Programme de CP, mais bon, c'est pas une compétition. Oh, c'est en vrai, c'est dur. C'est pas facile. Comme non, mais en ça. Vrai, c'est... Ouais. Moi, tu sais, c'est le genre de truc là. Mais non, mais en vrai, sans multiplier, je veux dire, laisse-moi crever, quoi. De toute façon, j'ai même pas la méthode, je connais pas de méthodologie intéressante pour faire ça. J'ai utilisé ma calculatrice. Je vais faire 6 x 7. Bon, non, pour ça, j'ai pas besoin de la calculatrice, c'est bon. Mais du coup, si on a... Si on a... C'est quoi 3 x 2 x 8. Le chat, est-ce que... Il y a une... Est-ce que vous arrivez à le faire de tête? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est de tête, c'est possible à faire? Ah, c'est ça? Ok. Oui, ah, il y en a qui arrivent à le faire. Ah, il y a une strat. Ok. J'avoue que je l'ai pas. Ah, moi, je sais pas non plus. En fait, le 1, il me dérange un peu. Hein. Ok. Oh, vous êtes trop fort. Ah, j'avoue que... Attends, mec. Écoute. Si le 1 est inclus dedans... Ouais. Ça veut dire que la multiplication la plus forte qu'on peut faire le comprenant, c'est 9 x 8. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Donc ça serait ça le nombre le plus haut qu'on puisse avoir. Ouais, c'est vrai. Ouais, en vrai, oui. Voilà. Bah oui. Donc, oui, en vrai, donc oui. 72. Ah oui, bah du coup, oui, il faut 72. Bah oui. Pas spécial, il faut pas forcément 72. Mais en bah, tout cas, on peut pas. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus de 72. Attends, si on fait 3. Parce que si on fait, par exemple, 9 x 8 ici, là, pour arriver à 72, après, c'est chaud, en vrai. Surtout, attends, faut... Quoique... Ah, attends, mais remplace le 4 par le 2, mec. Là, on a 3 x 6 x 4, ça fait 72. 8 x 9 x 1, ça fait 72. Mec, ben voilà. Non, mais après, 6 x 2 x 8...
Ça fait 96. Oh non. Donc non. Inverse-moi 4 fois 8, ça fait 64, putain. Ah, attends. Oui. Attends, inverse-moi le 4 et le 6. Attends, inverse-moi le 4 et le 6. Alors peut-être. 4 fois 8, ça fait 64. Mais ouais, après ça fait 90, ça me décale. Il faudrait que tu me mettes un... En fait, ouais, il nous en manque un, mec. Ouais. Il nous en manque un et c'est bon. Je regarde ce que ça donne juste. 3 fois 4 fois 6. Parce que là, 3 fois 4 fois 6, ça fait 72. Ça fait 72. Et là, ça fait 64. Ouais. Donc en fait, il nous manque une itération. Genre, en fait, il nous manque... Il faut qu'on rajoute un. En fait, techniquement, il nous faudrait un autre 3. Mais pour nous trouver un autre 3, on peut pas. Donc il faut équilibrer. Donc pour équilibrer, techniquement... Attends. C'est trouvé. J'ai trouvé. Mec, regarde. Ah oui, mais oui. Bah oui. Mais oui, tout simplement. Oui, je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il fallait... Putain, on y arrivait, mec. Bravo à tous. Félicitations. Bravo à tous. Dès l'instant où le résultat de vos multiplications est égal à 72, votre combinaison est correcte. La figure ci-dessus montre l'une des nombreuses solutions possibles. Toutefois, toutes les bonnes réponses ont un point commun. Les pièces 7 et 5 ne seront jamais utilisées dans la combinaison. Félicitations. Bravo à tous. Bravo. Périmètre en... Ah non, franchement, ça te dérange si je le fais pas celui-là. C'est quoi périmètre... Je me souviens plus ce que c'est. Non mais moi, tout ce qui est géométrique et tout, franchement, vas-y, on peut essayer, mais... Non mais montre-moi et la géométrie... Je me souviens plus du tout ce que c'est. La géométrie, je ne l'ai pas. Ah oh non, c'est une merde. T'aimes bien ça, toi? La flemme, t'inquiète. En vrai, c'est chiant, il faut faire... Ah non, mais vas-y. Hein. C'est du calcul. Ouais, je la résoudrai ultérieurement, ouais, carrément, ouais, salut. Hein. Je la résoudrai ultérieurement. Alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison de pommes d'or. Ah oui, c'était de la décomposition de facteurs premiers, bah ouais, vous êtes malin. Le poids mystère. Hop là. Hop là, voyons voir. Doudou. Oula, 99 piques là. Oh non, vous avez à votre disposition 12 poids qui ont l'air parfaitement identiques. Cependant, le poids de l'un d'entre eux est légèrement différent de celui des autres. Malheureusement, vous ne savez pas s'il est plus léger ou plus lourd. En utilisant la balance 3 fois exactement, parviendrez-vous à trouver ce poids. Ah ok, il faut trouver un seul poids. Il y en a 12. Alors attends. Bah. Attends. Déjà, je vais tout. Je peux tenter une méthodologie de merde. Vas-y, tente le play. Je tente déjà de faire moitié-moitié, ok? Ah bah oui, pour savoir qui est sus. Bah oui, logique. On pèse. Ah oui, mais non, lequel. En fait, on sait pas s'il est plus lourd ou plus léger, c'est ça le problème. Ah oui, bah oui, donc. Oui, donc c'est perdu. Bah oui. À moins que. Attends. Admettons qu'il soit plus lourd. Ok. Oh, c'est trop. Admettons qu'il soit plus lourd. Si je fais ça. Ok, on sait que c'est à partir du 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah ouais. Mais du coup, là maintenant, tu fais. Tu fais genre. 6, 7, 9. Vas-y, fais 6, 7, 9. Le 6, on était sûr qu'il était dans les bons, hein. Ah, il est dans... Oh, merde. Attends, ouais. J'avais pas vu. Ok, 7, 8, c'est à partir... Ouais, 7, 8, 9. C'est 7, 8, 9. 12, 10... Bah ouais, mais le truc, c'est... Ah ouais, mais du coup, on sait pas, mais ouais. Parce que là... Ouais, là, maintenant, on a plus de... Ouais, c'est chiant. Ceci dit, attends. En fait, je le truc, pas. C'est... Attends, écoute-moi. Hmm vas-y. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... ils étaient lourds, ok. Ils sont partis vers la gauche, ok. Ils sont descendus. Ouais. Ça veut dire que je pense que il est plus léger que les autres, je pense, celui qu'on cherche. Je pense que ça fait partie du 10, 11 ou 12. Ok. Ok, ouais. Et ensuite, je ne sais pas lequel c'est et je ne peux plus peser. Voilà. Et donc, fin de game, dommage. Vas-y, annule. Ouais, mais du coup, c'est triché. Ah oui, merde ça. Ah bah oui, bah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ok, ouais, l'énigme elle est bizarre pour ça parce que ça reroll pas. Bah ouais. Ah, mais c'est... Si je fais ça. Ouais, mais c'est soit 10, soit 11. Et bah voilà. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ok.
Voilà. Ouais, du coup, c'était 11. Eh bah, c'est con Ouais. qu'on puisse refaire, tu vois. Alors attends, c'était quoi la vraie méthodologie à 99 picara là? Ouais, c'était quoi du coup? Bonne réponse, ce casse-tête est très connu des passionnés d'énigmes, mais si vous avez de la chance, il est possible de trouver la solution sans trop vous fatiguer. Feriez-vous si vous aviez le droit d'utiliser la balance autant de fois? Bah putain, bah super, merci à tous. Y a aucune solution. Ah, c'est. Apparemment, c'est genre 4-4-4, 2-2-8 et 1-1. Ah Ah. ouais, ok. Bah ouais, tu fais ok, tu fais des groupes de 4. Ok. La fuite royale. Pourquoi ne pas essayer de résoudre cette petite énigme? Oh non. On me dit, tu viens de chatter une chance sur 12. En fait, ça resetait à chaque fois qu'on a fait annuler. Et on a juste eu de la chance, là. Bien joué. On a mieux joué. 80 sur la fuite royale. Oui, oui, OMG! oui. Oui, je m'en souviens. C'est reparti! Je l'ai déjà fait, j'en ai déjà fait un comme ça. Oh, Magique, ça, c'est pas mal, ça. oh ça m'a trop ça me donne trop envie de rejouer à des Layton. Tu vois, ça, c'est... Bah, fais-le, mec. Ça fait tellement longtemps. C'est pas parce que je l'ai fait en ce moment que tu n'as pas le droit de les faire. Non, j'ai pas le droit, mec, t'as le monopole du bonheur. Arrête! Arrête, Arrête! C'est de la merde ce que je fais. Horrible. Là, c'est de la giga merde, là. Ah là, le bloc rouge, tu peux le faire avancer comme ça. Bon, là, c'est gagné, là. Ah bon? Bah ouais, en fait, là, vers le bas, le bleu vers le bas, le double vert vers le bas, là, on décale, et en fait, on switch. Ouais. Bah ouais, mais là c'est bloqué là. FF, fin game. Attends, attends. Non, pas fin de game, regarde. Ah ouais? Hop, Oh oui, et c'est là, hop, là, magnifique. comme ça. Et voilà, et là, il Et a là, c'est fin de mort. game là. Ouais, là, par contre, c'est fin de game. Attends, en haut? Ouais. Attends, attends. Attends, comment on peut... Parce que là, va falloir qu'on déplace les violets, mec. Attends, à Oui, c'est eux gauche. qui cassent les couilles. Attends, refais la position d'avant. Voilà, là, tu vois le carré vert de droite. Carré vert de droite, tu le Oui. fais en dessous. Genre en bas, une fois bas, à gauche. Ah putain, oui, tout à fait. Ça, hein, c'est ça Ouais, ce que tu veux ouais, faire. ouais. Et comme ça, tout à droite. Et comme ça, tout en bas, tout en bas. Voilà, et on avance. Et petit pas de danse. Attends, Oh est-ce que non, c'est ça vraiment? Parce que là, en vrai. là on est coincé si on fait comme ça. Je pense qu'il faut le faire à droite. Attends, si je fais ça. Et attends. Ah ouais, comme ça, ouais, gauche. Ouais, tu sais, genre tu le mets en carré. Et ça nous fait d'avancer un le. Ça Oui, nous... mais sauf que. Après, il est un peu Oui, mais lock. sauf que là, du coup, ça sert à rien parce que regarde ce qu'il y a à l'arrière. Ouais, mais tu me mets, tu sais, genre tu me mets le carré vert d'en bas en haut. C'est genre comme Ah, ça en ah haut. oui, t'as raison, putain. Et T'es fort, toi. comme ça, t'avances comme ça. Et là? Et là. Là, on est. Ah, ouais, on est bloqué à cause du. En fait, Tu fais ça? les violets. Attends, attends, peut-être ça? Ça, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'on va toujours être bloqué à cause des violets. Ouais. Et ce... Attends, si je fais ça. Ok, Regarde-moi. ouais. Plus Attends, qu'un. il y a... Ouais. Il y a une idée là-dedans! En fait, Mais... les violets, on va forcément devoir les mettre tout à gauche. Ça va être ça le play. Genre, Ouais. si on les met pas tout à gauche, c'est terminé. Là, je reviens un peu en arrière, du coup. Et comment les mettre tout à gauche, du coup? En fait, là, le truc, c'est que je peux le faire passer là, je fais ça, Bah ouais, je le mets comme ça, je fais ça, et là, ça sert à Ouais, rien. c'est là, en fait, là, on sera forcément Là, bloqué. c'est pas bien. Attends, à moins que je fasse ça. Non, c'est nul. Oh, attends, C'est si, nul, là. si. Bah, en fait, si on fait descendre les bleus, on peut mettre les violets sur le côté et c'est gagné. Ouais, mais sauf que là, je peux pas faire descendre les bleus puisque le carré est le bloc, en fait. Bah, si, regarde, la Ah si, t'as baisse. raison. Ouais, ah oui, putain. Ouais, comme ça. Oui. T'as trop raison, mec, T'as trop putain. raison, putain. Ah ouais, mais là. Et là? Ouais, mais là. Et là, tu me fais la même. En fait, genre, là, tu me fais la même et tu me fais... Comme ça? Attends. Et non, mais là, en fait, on tourne en boucle, Ouais, là. non, c'est vrai qu'on tourne en rond. J'arrive pas à capter comment on peut faire tourner le violet. Le violet. En fait, là, attends. Et là, c'est de la merde, hein. Fait, C'est nul, il hein. nous casse les couilles. Non, mais en fait, je pense que cette position n'est pas optique dans tous les cas. La position avec le carré tout à droite, maintenant,
n'est pas optimiste, je pense. Mais mets-moi les bleus encore plus à gauche. Genre comme ça. Attends, merde. Ouais, tu sais, genre comme ça. Genre ça, ouais, mais sauf que dans tous les cas... Genre, tu sais, genre je mettrai les bleus tout en bas. Ok. Et comme ça... Ah non, mais mec, c'est pareil. Non, en fait, le problème, c'est que lui, il bloque, en fait. Ouais, et ensuite, on est en position initiale. Ouais, en fait, c'est vraiment, ouais, les violets. Non, mais en fait, là, si je reviens ici, je pense que c'est à partir de là qu'on peut faire des choses intéressantes, en vrai. Enfin, je sais pas, parce que là... Ouais, j'avoue que je l'ai pas du tout. Je vois non pas. Plus. Si on met... Parce qu'en fait, on va toujours être coincé avec le premier violet. Là, attends. Je regarde, attends. Ouais, j'aime bien. Ok. Mais en fait, je refais la même chose, mais de l'autre côté, non? Attends, quoi que... Quoi coubé? Quoi coubé? Ok. Non, là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose non. Que ce qu'on a fait. Ouais, c'est la même chose, là. Non mais ouais, je sais qu'il faut qu'on s'occupe des violets, qu'on s'occupe des violets, les gens. Je sais. Ouais, mais c'est et vraiment... Ouais, et là, si je fais ça, bah non, c'est... Ah putain, mais je refais la même chose. C'est la définition de la folie. C'est les violets qui font trop tilt. Attends, si je fais... Mais attends, je pense que c'est la seule solution, en fait, attends. Attends, non, c'est nul à chier. Est-ce que c'est nul à chier? Oui. Ouais, parce que... En fait, de toute façon, tu peux pas... à partir du moment où les violets sont dans cette position-là... Attends. Il n'y a pas moyen de moyenner un truc avec ça, là. Ouais, mais là, on est de la position initiale. Ouais, non, attends. Oh oui? Ouais. Merde. Ouais. C'est lui, il me fait chier, là. Faudrait que... Attends. Ouais. Tac. Plutôt ça... Ouais. Attends, c'est pas mal ça. Ouais. Attends, il y a une idée là-dedans, je le dis. Assez d'accord avec ce mec. Il y a une idée là-dedans, mais alors là... Insupportable, là. Et si je le remonte, lui, que je fais ça. Mais là, je fais exactement la même boucle que tout à l'heure, c'est de la merde. C'est nul. Oh, mec, c'est impossible. L'énigme est impossible. Hein. Je suis désolé, les gens. L'énigme est juste pas possible à être résolue. Ouais, hein. Je crois qu'elle a jamais été résolue sur Terre. Je crois ouais, que c'est... Il me semble qu'elle a jamais été résolue, effectivement. Je crois que c'est une énigme à 1 million d'euros. Genre. Je pense que c'est impossible. Hein. Je pense que l'énigme n'est pas résolvable. Oh, c'est trop dur quand t'as pas la souris aussi. Ah, pardon, désolé, excuse-moi, dis-moi. Vas-y, je suis ton Siri, tu me guides. Mais non, mais ouais, non, je pense que j'arrive. J'exécute pas aussi, les ordres, tel un robot, tel un bot. En fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est. Pour moi, il faudrait qu'on sépare les violets, mais comment on peut les séparer, quoi? C'est ça qui est. Mais je pense qu'on est. Je pense qu'on est clairement pas loin. Là, j'ai l'impression de commencer à les séparer les violets, attends. Mais sauf que là, dans tous les cas, je suis. Bloqué là, je peux rien faire avec ça. Attends. Là, c'est inintéressant là ce que je fais. Attends. Oh 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 oh. Attends, c'est nul. Oh non, non, c'est pas nul. C'est nul ou pas nul ça? C'est nul à chier parce qu'en fait, ouais, on va avoir. Ah ouais, là, en on fait... peut plus rien bouger. En fait, ouais, je peux bouger, je fais ça. On peut pas se permettre d'avoir du vide. Genre, on peut pas. Pas se permettre c'est... d'avoir du vide. Oh. Ouais. Oh, attends, on a avancé le violet d'une step. Bon, il était bah pas là. Ouais. Et là, on va avoir du vide. On a fait les 400 coups ensemble, mec, littéralement, effectivement. Oh, les 400 coups. Après, anime, là. Après, là, ce que ouais. Tu nous proposes. Pas dégueu, hein. Bah en vrai, c'est de la bite, hein. Ouais, et là, on est... Attends, ça, c'est quoi, ça? C'est que ça. Position initiale, là. On est sûr que c'est position initiale, ça? Position initiale, ça. Non, c'est pas très initial, ça. En fait, les bleus... La merde, putain! Les bleus me cassent les couilles. Mais oui, putain. Les bleus sont trop chiants. C'est mon Domenech, be like. Didier Deschamps, be like.
Et bon, là, je suis revenu au début, là. Ouais, là, c'est le début. Mec, vraiment revenu au début. Mec, viens. Viens, on reset et on relance. Attends. Attends, laisse-moi réfléchir vite fait. Attends. Tu vois, c'est top, là. Là c'est ouf. Là c'est bien là tu vois. Là attends. C'est ouf. Mais ouais, mais je pense qu'on était juste à côté. Je pense que on est vraiment passé. Ah non mais c'est à... sûr, c'est sûr, c'est sûr. On me l'a dit même, on m'a dit qu'il y a des moments où on est passé à côté. Bah ouais. Attends. C'est insane. Oh la tub. Ah c'est gagné là, regarde. Hop. Maintenant ensuite je fais ça. Ensuite je fais ça. Et là, hop. Et voilà. Et hop, et c'est un Rubik's Cube. C'est pas mal. Vas-y, je recommence. Voilà, on est au début. Bonjour. Vas-y, on refait. Bon. Vas-y, je t'écoute complètement, dis-moi. Attends, viens. Viens, on essaye. On met tout en haut. On met le vert tout en haut. On déplace le violet. On déplace le vert. Encore le vert. Double vert en haut, tout en bas. Violet à gauche. Tout en haut. Ah, tu veux faire ? Ouais, et on avance comme ça. Là, tout à droite. Oui, là, le vert. Juste... Oui. Attends, je pense... Plutôt comme ça, non ? Là, comme ça ? Oui, voilà, comme ça. Excuse. Je me suis foutu de ta gueule. Ouais, mais là, c'est baisé, en fait. Donc, c'est nul à chier, en fait. Putain, j'arrive pas... En fait, j'arrive pas à me visualiser comment on va réussir. Moi non plus. Genre, j'arrive pas à me dire à quel moment on est passé loin. Ouais, pareil. Je trouve. Attends, toi. On est passé si proche, on est passé si proche. Putain, mais le problème, c'est que les deux qui sont alignés là me cassent les couilles, frère, putain. T'es gros. Me cassent les couilles là. Vas-y, vers à gauche. Attends. Toi, encore. Attends, c'est pas mal. Vers en haut. Mais non, mais ouais. Ah, non, mais c'est nul ça. Oh non, là tu vas être bloqué. En fait, il faut mettre les verts. Attends. Il faut mettre les verts tout à gauche, en vrai. Ouais, mais là. En fait. Et si je fais ça, et ça, et ça. Attends. Là. Là. Le problème, c'est que du coup, je peux plus rien bouger parce qu'en fait, ce truc est rigide as fuck! C'est tellement rigide. Rigide Macron. Pas mal celle-là, non? J'ai la ref. Le moins super. Ouais. J'ai la ref. Attends. Et si je fais ça? Hop. OMG. T'es à droite. Attends. Ouais, non, on peut pas parce qu'on va avoir. Attends. Si je fais ça? Tout à gauche. Non, tu l'as vu, genre les blocs verts. Ouais, non, ça bougera pas. Ça bouge pas. Attends. Ça bougera pas. Je me demande s'il y a pas un petit truc. Putain, le bleu, on doit le mettre. Le bleu, il me fait chier. Le bleu, si je fais ça. Là, je reviens en arrière, non? Ouais, attends, tu reviens en arrière. En fait, là, tu pourras pas débloquer quand tu fais comme ça. Attends, mais si je fais ça... Ouais, mais là, c'est de la merde parce que... En fait, ouais, je pense que le fait de mettre les verts tout à gauche, ça va faire qu'on n'aura pas de bas... En fait, on n'aura pas de jus. En fait, le vert, c'est ce qui nous donne du lest. Oui, je suis d'accord avec toi. Du coup, tant qu'on les met tout à gauche, c'est trop dur. Tente un indice, au moins qu'on voit. Vous pourriez être tenté de croire que vous êtes bloqué dès le début de ces énigmes, mais tant que vous ne répétez pas les mêmes opérations d'avant en arrière, vous finirez forcément par y arriver. Ce genre d'énigme ne se prête pas vraiment aux indices. Voici donc le premier indice. Il est inutile d'acheter les deux indices suivants. J'ai envie de le faire. Bien, on achète. Bon, vous avez tout de même dépensé une pièce. Donc voici qui pourrait éventuellement vous être utile. Et s'il vous débarrassez des blocs violets, en les mettant en haut à gauche ou en bas à droite? Bah, tu vois, c'est un bon indice, ça. Débarrasser des blocs violets ou en les mettant en haut à gauche ou en bas à droite. Une fois que c'est effectué, les blocs bleus devraient être plus faciles à... Attends, en haut à gauche ou en bas à droite? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas du tout là où nous sommes. Attends. Ah ouais, en gros, c'est vraiment ça, c'est les violets qui nous cassent plus les couilles. Ouais, c'est ça. Et là, je reviens. Là, je suis revenu en mode... Attends, reset. Ouais, t'as raison. Ok, alors, notre but, c'est... Vas-y, donc voilà. En fait, c'est le seul mouvement qu'on peut faire. Soit ça, soit ça. Ouais.
Donc de toute façon, voilà. Celui-là, on le met en bas à droite. Vas-y, on est obligé de bouger ça. On le met en bas à droite. Est-ce que j'ai envie de les coller? Non, pas vraiment, je pense pas. Bien, notre prochaine mission, c'est... mettre à gauche le violet. Les violets, c'est ça. Et là... voilà, petit coup de gauche. Attends. Attends, je recommence. En fait, le truc, c'est... je pense qu'il faut les mettre côte à côte, en fait. Il faut qu'ils soient... en fait, il faut que les carrés soient... en fait, il faut que les trucs soient ensemble, globalement. Parce que de toute façon, on n'a pas le droit d'avoir de vide. En fait, à partir du moment où on a du vide, c'est terminé. Hop. Et là, attends. Hop. Hop, 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 hop. Et là. Comme ça. Après, en haut à gauche ou en bas à gauche, pour moi, c'est pareil, je pense, en vrai. Voilà. Là, tu me mets au-dessus. Là, gauche. Là, on les baisse. Là, ça change. Là, c'est pas mal parce que tu peux décaler tout d'un sens. Ouais, mais là, problème. En fait, ouais, là, tu pourras pas parce que. Tu pourras pas parce que le bleu sera collé. Ouais, mais sauf que si je fais ça et ça et ça et ça et c'est de la merde, ouais. C'est la même merde. Ouais, c'est la même merde. Exactement la même merde. Oui, mais attends, si je fais... attends, quoi que... est-ce que c'est vraiment la même merde? Parce que si je fais ça et qu'ensuite je décale ces trucs par ici... hop... fork. Je regarde juste. Non, voilà, l'indice dit les blocs violets en les mettant en haut à gauche ou en bas à droite. Ils sont en bas à droite, nos blocs violets. Ouais, et du coup... ouais, et maintenant, on s'attaque au bleu. Donc, viens, on décale. Genre, mets les verts à droite. On met les verts à droite, encore. Le en haut à gauche, tu mets à... le vert en haut à gauche, tu le fais passer en dessous. Bon, je sais, genre, pour moi... ouais, pour moi, les bleus, il faut les mettre à gauche. Ouais, ouais, parce que je suis en train d'essayer de faire, là, non? Je pense. Là? Eh, mais non, mais là, attends, c'est de la merde, ce que je fais. Ouais, tu peux... là, tu vas pas pouvoir. Comment je fais passer, parce que pour moi, la bleue, elle doit... la bleue, elle doit vraiment aller à gauche. Ouais, je suis d'accord, mais comment tu l'as fait passer à gauche du coup? Est-ce qu'on met en bas? Là, tu mets. Attends, si tu fais en bas, droite, droite. J'arrive pas à me dire comment on peut la faire passer parce que. Je pense qu'on peut la faire passer. Attends, en remontant. Ah, peut-être. Ah, oh, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais le problème, c'est qu'on va être bloqué. Bah après le, en fait, le gros problème. Genre, la vie de rêve. Ouais. La vie de rêve pour moi, ce serait de mettre... oh, attends. Ouais, mais en haut, double violet en haut. Double violet en haut. Oui. Tout à gauche. Ah. Ouais, voilà. Là, tout à droite. En bas. Là, colle à droite. De quoi? Ça? Ouais, baisse le violet. Attends, je suis peut-être complètement délu, mais... Non, je suis une merde. En fait, dans ma tête, c'était incroyable. Et en fait, c'était un peu foireux dans une... Attends. Dans ma tête, j'avais fait un truc exceptionnel. Attends. Attends. En fait, les violets, je pense pas qu'il faille les laisser tout le temps comme ça. Par contre, ouais, là par contre, le vert isolé, c'est dur. Quand le vert, il est isolé... Attends... peut-être la message... attends, si je fais ça... que je le garde comme ça... ouais, mais le problème, c'est que là, je suis un peu... si mais c'était ça... pas... Attends, mais viens, on essaye. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé de faire depuis le début. On n'a pas réussi à mettre les violets en haut à gauche. On l'a jamais fait. Ouais. Donc viens, on essaye de faire ça. Attends, je suis en train de tenter un truc de merde qui va pas marcher. Non, tente le place. Ah, ça, attends. Non, c'est nul. Est-ce que c'est nul? Oui. Attends, mais à moins que je... est-ce que je peux le faire tourner? Le mettre au-dessus, juste. Merde, je peux même pas mettre au-dessus. T'as fait une vilaine tub. Ah ouais, j'ai fait une vilaine tub. Ouais. Tu voudrais mettre les violets en haut à gauche? Ouais. En fait, c'est le seul truc qu'on n'a pas fait depuis le début du jeu.
On a pas fait. Mais là, du coup, c'est pas intéressant de l'avoir là. Attends. Tu voudrais virer la barre bleue qui est là? En faisant comme ça, peut-être? Ouais. Hop, hop. Là, comme ça. Ensuite, ça, on monte ça ici. Et voilà. Là, salut à tous. Et là, on avance. Bah, pas tellement. Voilà, là, c'est bloqué. Quoique, si je fais ça, mais c'est nul parce que, bon, voilà. Je fais ça, ça, ça. Est-ce que ça marche, ça? C'est très bizarre ce que je suis en train de faire, mais bon, je comprends pas trop ce que je fais. Tu l'as avancé d'un, on avance. We moving. We moving, but now we are blocked. Now we are blocked. En fait, c'est le fait que le vert, il soit isolé. Ça casse les couilles. Le vert isolé, on n'en peut plus. J'avoue qu'il est chiant, lui. Comment je le fais rentrer à la maison? Vraiment, il faudrait ramener la coupe à la maison. Comment je le fais rentrer à la maison? Parce que du coup, t'as vu, le vert isolé, il fait qu'on a toujours un trou, quoi. I agree. Et attends, si je les remets par là, du coup, un petit peu, et que... Ah, putain, le problème, c'est que... Ah! Ouais, c'est douloureux. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. Attends. Voilà. Hop là, je l'ai ramené à la maison. Et maintenant? Que vais-je faire? Et maintenant? Ok. Attends. On... Ouais, mais là, je suis en train de les reséparer, hein, mais bon. Mais en fait, c'est le seul truc que je peux faire à l'heure actuelle. Ah, c'est vraiment, enfin, ah, c'est vraiment ça. Et là, non. Donc, forcément, est-ce que je fais... Non, je fais pas ça. Ça. Ok. En haut? Ok. Et vrai. Ouais, en fait, le problème, c'est vraiment ce... Attends, si je fais ça... Et non. Le problème, c'est que je peux pas avancer plus après, que ça. Après, que ouais, le truc, c'est que le premier... En fait, faudrait que j'arrive à mettre la ligne bleue sur les deux cases du haut, en fait. Ça serait l'idéal, en vrai. L'idéal serait que je fasse... Ouais. Attends. Comment je fais pour te faire monter, toi? Est-ce que je fais ça? Là, je fais n'importe quoi. Okay. Oh, après, le... Parce que là, du coup, ça me fait avancer ce carré, mais le problème, c'est que lui, maintenant, il me bloque. C'est lui qui me bloque. Ouais, en fait, il faut jamais faire le chemin inverse. Ouais, c'est ce que disait le premier indice, il était intéressant. Quand il disait, tu peux... Tant que tu fais pas la même action que t'as fait avant, c'est-à-dire que tu reviens en arrière, et bah, c'est vraiment faisable. Après, là, je reviens pas en arrière. Après là, c'est... Là, c'est pas mal là. Mais là, du coup, je suis complètement bloqué. Là, je remonte par là, mais le problème, c'est que c'est ceux-là qui sont en bas, donc c'est de la merde. Je fais ça. Je sais pas. C'est nul. Attends, est-ce que c'est si nul que ça, non, si je fais ça? Non, c'est pas nul. C'était pas nul ce que t'avais fait. Oh, le troisième indice, pas encore. J'ai mué en plus de ça en le disant. Pas encore. Je fais nimp. Attends, tu peux pas essayer... Vas-y, décale là. En fait, faudrait que tu remettes le vert là, le vert solitaire. Que tu l'unisses pour mettre les bleus en haut à gauche. Le vert solitaire... je peux pas. Attends, comment je fais pour le faire revenir de ce que les amis? Oh, c'est chiant. Merde, comment je vais le faire revenir? Parce que là, le vert, il va trop nous saouler. J'ai l'impression que je me suis méga bloqué là. Ah, parce qu'en fait, ouais... Les verts, ça va vraiment être... C'est notre huile de coude, quoi. Ouais. Attends, je vais... Regarde. Voilà. Exceptionnel. Oui. Attends. Dis-m'en plus, oh, mec. Oh, attends. Je sens le bon filon dans cette histoire. Et ça, c'est de la merde. Attends. Droite. De quoi tu parles? Ça? Ouais, attends. Parce que t'as... Tu veux que je fasse ça? En fait, ce que t'as fait juste avant, c'était bien. Ouais, mais c'était pas mal, je crois. Droite. Attends, et si je les colle là, les deux, là? Et que... Attends. Laissez-le cuisiner. Laissez-moi... Let me cook. Attends. Ouais. Hop, Oh,
l'horreur. C'est une légende. Oh wow. Putain, l'enfer celui-là. Wow. Wow. Légende du club. Horrible, horrible, horrible. Putain, mec, je suis ton Luc. Excellent, mon garçon. J'avais toute confiance en tes capacités. Oh oui, first try. Ah, first try, ouais. On a eu tous les picards. Hein. First try. On a eu tous les picards. Hein. Putain, c'est trop bien. Au cœur du drapeau, en plus, t'as mis un drapeau, toi. Vas-y, mec. Putain, c'est trop bien à faire à deux. Mec, faudrait qu'on fasse un Layton à deux. Genre tout. Ah, j'avoue. Genre tout. Non, mais mec, le Ace Attorney Phoenix Wright, mec. Bah, je l'ai déjà fait, moi. Ah merde, c'est vrai, tu l'as fait. Parce que, ouais, il est trop bien. En vrai, il est vraiment trop bien, en plus. Ah ouais, j'avoue. Enfin, je l'ai pas fait, moi. Alors, attends, l'énigme, c'est quoi? C'est quoi? Cœur du 60, c'est pour le bébé, ça, on vient de faire une 99. Ah, pouvez-vous calculer la fraction de dénominateur d'une fraction? La solution est suffisamment simple pour être trouvée de tête. Ah, ça t'angoisse, mec? Alors moi, là-dessus, c'est moi ton Luc, cette fois. C'est moi ton Luc et t'es Layton, là, mec. Là, je te le dis tout de suite. Moi, je suis même le clébard dans la valise, là. C'est moi, là. C'est... En gros, là, je pense que s'ils disent inutile de vous fatiguer avec une méthode compliquée, c'est-à-dire qu'il faut pas faire des... Qu'est-ce que ça représente en tout? Ouais, c'est ça. En tout, combien ça représente? C'est ça, c'est la fraction du drapeau. Ça fait 120 cm. Donc attends, c'est-à-dire que... merde, je peux pas... Ah si, je peux faire ça? Ah oui, c'est bon. On va dire que ça, tout simplement, c'est 60, ok? Bah, il faut calculer, en fait, il faut calculer. Non, mais ça fait 60. Cette ligne fait 60, ok? C'est sûr, forcément, puisque ça fait 60 à 30 à droite, 30 à gauche, ça fait 120 en bas. Et ici, ça fait 40. Donc ça, c'est 40... Et ça, c'est 60. Je sais pas si c'est utile. Tu l'as ? C'est utile ? Pas utile ? En fait, c'est un... Est-ce que le triangle... On est d'accord que le triangle à l'intérieur du losange sera rectangle ? Du coup, on peut se faire un Pythagore. Pythagore. T'as un Pythagore ici, là, tu vois. En fait, là, partout. Voilà. En fait, on a juste à se faire un Pythagore. La Pythagorie. Ouais, mais sauf que... Attends, mais mec, si on trouve l'air du... Ah mais oui. En fait, c'est juste l'air du rectangle, l'air du losange. En fait, il faut juste l'air du rectangle, c'est longueur fois largeur. Et en fait, tu fais longueur fois largeur et tu compares à l'air du losange et c'est gagné en fait. On me dit qu'on n'a pas besoin de Pythagore en vrai. Là, peut-être, on est en train de se compliquer la vie. Mais sauf que sinon, on trouve ça comme ça, c'est bon. Bah, en fait, t'as juste à comparer air du. Bah ouais, mais en fait, on a même pas besoin de Pythagore. En fait, t'as juste à calculer l'air du losange et l'air du rectangle. Je pense que c'est ça. Attends. Mais je crois qu'on se prend trop la tête. Ouais, il y a la chance. Je crois qu'on se prend vraiment trop la tête. Le losange, du coup, c'est un rectangle, quoi. Est-ce que c'est un rectangle ? Non, c'est un carré. Non, c'est... Oui, c'est un carré. C'est un carré. C'est un carré. Bah, en fait, si on connaît son côté ici, bon, tu fais côté fois côté. Ah, en fait, j'ai pas la réponse. Non, c'est pas un carré, on me dit. On me dit que c'est pas un carré, what the fuck? Ah, un losange peut être un carré. Mais tous les losanges ne sont pas des carrés, ouais, c'est ça. Oh, c'était il y a longtemps, hein, excusez-moi. J'ai passé mon bac quand? C'est il y a 10 ans, laisse-moi tranquille. Attends, mais moi, il me faut un papier. Hein. Il me faut un papier. J'arrive pas à le faire de tête. J'arrive pas à le faire de tête, parce que, ouais, il y aura pas d'angle... En fait, il y aura pas d'angle droit. Arrête de faire des cœurs, mec. Arrête avec le sexe. Pourquoi? C'est pas du sexe, c'est de l'amour. En fait, le fait que tu sois... Enfin... En gros, la solution est suffisamment simple, ça me trigger. J'arrive pas à me dire comment ça peut être simple. Pour moi, il faut forcément poser un calcul. Donc le fait que tu puisses le faire de tête, je capte pas. En fait... Il doit y avoir un trick. Attends. Tu vois, regarde. Là, t'as quatre rectangles, du coup, on est d'accord ?
Mais en fait, le... Tu vois, les quatre rectangles, là, t'en as un là, un là, non, mais un là, la, un là. La barre rouge que t'as mis, en fait, la barre rouge que t'as mis là, c'est 60. Et la barre horizontale, c'est 60. Et la barre verticale, c'est 40. 40. C'est 40, c'est fait. Je me souviens plus comment on calcule l'aire d'un losange, par contre. Est-ce que c'est... Vu que c'est 40 fois 60, est-ce que c'est pas... C'est pas côté fois côté divisé par 2, je crois que c'est ça. Est-ce... Je crois que c'était... Du coup, c'est 60 fois 40 divisé par 2. Et du coup, c'est 120. Je crois que c'est ça. Je sais plus comment on... Franchement, je sais pas du tout, moi. Je crois que c'est 60 fois 40 divisé par 2. Et du coup, c'est... 2400, du coup 1200, et du coup tu fais 1200. Mais pour moi, faudrait pas partir sur ce truc des 4 rectangles là. Je sais pas, moi, c'est pas. Bah, enfin, je sais pas. Après, ouais, ce serait plus simple. Après, je pense que je. Là, on a 4 rectangles. Ah, ouais, tu calcules les 4 rectangles et tu enlèves l'air. Ah, ouais, ok. Tu fais 60 x 40. Après, j'aime trop. Je pense que j'ai trop envie de calculer. Non mais je pense que mon calcul... Non mais attendez, là vous êtes en train de me dire trop compliqué. Ça c'était mon PTSD de quand je faisais des Love Layton. Mais c'est vrai ce que je dis. Genre ok c'est trop compliqué, je suis peut-être une merde, mais ça marche. Il y a des gens qui me disent stop calculer. Mais comment on peut l'avoir sans calculer, genre à vue de nez quoi. Bah oui. Genre je suppose que c'est un quart machin, comment je fais pour voir ça? Eh oui, oui ça marche. Donc... 60 x 40 divisé par 2, ce qui fait 2400 sur 2, ce qui fait 1200. Donc là, on se met 1200. Et, okay. 120, et 120 multiplié par 120, 120 multiplié par 80, ça fait... ça fait 8000... Let him cook. Ça fait 8160. Ouais. Donc, 2000... Non, ça fait 9600, excusez-moi. Ça fait 9600. Oui. Donc, 9600... Et le premier, c'était combien? 9600, 1200. Donc ça fait 1200 sur 9600. Donc, et donc 1200 sur 9600, ça fait 1 sur 8. Et c'est gagné. Merde. 1 sur 8. Attends, comment il faut faire? Type 1 sur 8, inutile, vous se fatiguez. Comment je l'ai... Du coup, je fais quoi? Ouais, je fais répondre. Ah oui, 1 sur 8. Ouais. Et du coup, c'est ça. Oh là 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 là! Bravo à tous! Oh là 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 là! Bonne réponse! Les mesures qui vous sont données sont le clé d'énigme. Si vous divisez le quart du drapeau comme montré ci-dessus, il est très facile de se rendre compte qu'un quart du losange correspond à un huitième d'un quart du drapeau. Le losange représente donc un huitième de la surface totale du drapeau. Ah ok, c'est plus facile. Si on pense pas comme ça, voilà. Oui, d'accord. Une suite 2D, tu veux la faire ou pas? Ouais. C'est trop bien. Je dois tout donner, Luc. Ok. Oula. Dans la ligne de D ci-dessous, seules les trois faces... Pardon, les faces 3 et 6 apparaissent. Sachant que cet arrangement est une suite logique, lequel de ces 3D devriez-vous placer ensuite? Ok. Okay. 3... Attends. Alors là. Ok, alors attends. En tout cas, pour l'instant, il n'y a jamais eu un 6 levé comme le B. Est-ce que tu penses que la direction a l'air de... Ouais, je pense que ça joue. 1, 2, 3... Ouais, j'avoue que la suite logique, je la capte pas. 3, 6, est-ce que la somme... Parce que là, la somme des débuts, c'est 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6, ensuite après, ça fait 9. Est-ce que les 3 premiers... Parce que là, c'est des groupes de combien? Il y a combien de pièces? Attends, effectivement. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que ça ferait 9? Attends, genre... Non, en fait, il te demande le 11e. Donc, il n'y a pas de groupe... En fait, il n'y avait pas de groupe de 3. Parce que là, en fait, il te demande le 11e, donc c'est pas en fait, classé regarde, par... En fait, regarde, écoute-moi, juste un truc. C'est que sur la fin, tu vois, ça ne fait que alterner entre 6 et 3, ok? Ouais.
sauf au début où tu as 3-3 de suite. Ouais. Qui forment 9. Ensuite, t'as un 6 plus 3, ça fait 9. 6 plus 3, 9. 6 plus 3, 9. 6 plus 3, 9. En fait, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'au début... Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait qu'il y ait 11. Le fait qu'il y ait 11, ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe de 2, tu vois. Bah en fait, je pense que c'est des groupes de 2, sauf au début, c'était un groupe de 3, parce que c'était 3 x 3, 9, du coup. Moi, en fait, mon instinct me dirait que ça serait le A à mettre. Mais ensuite, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ça change de sens comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, ça doit pas être calculatoire. Ça doit pas être calculatoire, parce que si tu dis que ça fait 9 au début, c'est pas le cas, parce que c'est un groupe de 3 pièces, et en fait, ça peut pas être rangé par groupe de 3 pièces, parce que là, on nous demande d'avoir la 11e. J'avoue que... En fait, le plus logique, ce serait le A, parce que le schéma est symétrique, quoi. Non, ce serait pas symétrique, mais... Bah oui, mais en fait, ce serait beaucoup plus symétrique que de faire le C ou que de faire le B, tu vois. Parce qu'on n'a jamais eu 2 fois 6 depuis le début de l'énigme. Oui, on ne l'a jamais eu. Mais pourquoi est-ce qu'on nous propose un autre 6? Et voire même un 6 debout, tu vois, alors qu'ils sont à chaque fois couchés. En fait, ça fait... Tu sais, genre, ça fait... diagonale vers le haut, ensuite diagonale vers le bas. Attends. Oh, j'arrive pas à comprendre la logique. Ouais. Ouais, c'est bizarre. En fait, j'essaie de voir le truc comme des rails de chemin de fer. Genre, ça fait tac, 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 ensuite ça continue ici. Tac, tac. Parce que là, c'est un cul-de-sac ici. Et ça reprend là. Tac, tac, tac. Putain, mec, est-ce que... Ah, je suis peut-être perché. Hein. Est-ce que ça fonctionnerait pas comme un levier? Genre, regarde. Le 3, gauche, le 3, c'est un levier vers le... vers la gauche. Il fait aller l'autre vers la droite. Ensuite, celui vers la droite fait aller l'autre vers la gauche. Ensuite, celui vers la droite fait aller l'autre vers la, la droite. Sachant que le B, il est considéré vers le haut. Du coup, ça voudrait dire que la droite ferait aller le A vers le... vers l... Ouais, non, je suis... J'ai rien compris à ce que tu viens de me dire. Non, mais je réfléchis à haute voix, laisse. Mais non, c'était peut-être ça, en vrai, mec. Hein. C'était pas ça. T'as les crampes des... À Pagna. Mec, c'est le Kwaku A. Tu veux qu'on prenne un indice? Ouais, j'aimerais bien savoir. Ouais, parce que c'est pas drôle si on... Regardez les dés avec attention. Bah, c'est l'orientation, voilà. Essayez de trouver une logique dans leur orientation. Vous pourriez être tenté de penser que cela a à voir avec le nombre de points sur chaque face, mais la solution est bien plus simple que cela. Imaginez la manière dont les points sont... Examinez la manière dont les points sont alignés. Mais c'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que je fais en fait. Attends, mais ça veut dire que c'est... Attends. Ça doit être un dessin. Et c'est ça, j'ai essayé de voir des trucs, mais je pense pas en vrai. Je pense pas que ce soit un dessin. Attends. Ah mais putain! Ouais. Est-ce que... C'est moi ? Mais en fait, il faut toujours qu'il y ait un point connecté avec un autre. Bah, alors ça, effectivement, mais du coup, dans ce cas-là, ça peut être n'importe laquelle des trois. Oui, mais en fait, ça doit être... En fait, il doit y avoir qu'un point qui se touche, et pas deux. Regarde, il y a toujours un point qui se touche à l'autre, et pas deux. Et là, le B et le C, ça ferait qu'il y ait deux points en connexion, alors que le A, il n'y en aurait qu'un. De toute façon, le A me semble être le plus logique depuis le départ. Tu veux qu'on valide le A? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, B et C, ça ferait deux points connectés. Non! FF. Je pensais vraiment que c'est ça. Non. Bon, au moins, on est sûr que c'est pas celui-là. Ah ouais? Putain, je pensais vraiment que c'est ça. En fait, même si on trouve, j'aimerais bien comprendre pourquoi, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai... En fait, c'est nul de trouver si tu comprends pas. Attends, j'essaie de voir. Attends, what? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on est d'accord que... Ouais, il y a qu'une connexion avec le A, alors que B et C, bah, il y en a deux qui se connectent.
Parce qu'en fait, l'alignement, c'est je comprends pas. Parce que regarde, ouais, il y en a qu'un seul qui se connecte à chaque fois. Non, je connais pas. Ouais, j'ai du mal à voir. Non mais... Ça fait ça, 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 ça. En fait, comment ça pourrait être le C? Genre, comment ça pourrait être le C? Je suis en train de réfléchir, hein. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis en train de... Attends. C'est impossible. Attends. Non mais c'est pas... Attends. Attends. 5. Ok, je l'ai, je crois. C'est le C, mec. Pourquoi ? Je t'explique. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Le premier D, c'est un 1. C'est la ligne du 1. Ensuite, les deux prochains D, c'est le 2. Ok ? Ok. 2. Ensuite, le premier D6, c'est le 3. Tu vois, ça fait 3 lignes. 3 colonnes. 1, 2, 3. Oh ! Ensuite, c'est 4. Avec le 3 et le 6. Ensuite, c'est 5. Avec le 3, le 6, le 3. Et ensuite, le C, ça fait 6. Ah, putain. Je tente ? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est bien évidemment ça. C'est bien évidemment ça. C'est ça. Oui, alors attends. Ils vont probablement m'expliquer. Putain. Oui. Moi, ce qui me fait toujours plaisir, quand je réussis une énigme sur Layton, les gens disent « Merci le chat !» Comme si j'avais lu l'énigme, la solution dans le chat. Par contre, quand je me foire, c'est pas merci le chat, hein. C'est vraiment juste une merde, quoi. Oui. Oh, bonne réponse. Et oui, c'est ça. Mais bonne oui. Réponse. Chaque dé présente 3 rangées de points superposées. Celle qui nous intéresse, c'est la rangée du haut. Les groupes de points qui s'enchaînent sur la rangée du haut augmentent de 1 à chaque fois. Le dernier groupe devrait comprendre 6 points, ce qui implique que vous avez besoin de rajouter un groupe de 3 ouais. Points. Ah, mais c'était les points du haut. Moi, je les voyais vraiment en colonne, comme ça. Enfin, en colonne, en fait. En vrai, j'aurais jamais trouvé. Je les voyais vraiment en colonne. J'aimais bien mon truc de connexion. Ah oui. Est-ce que tu peux reset juste le son? Ça grésille dans mes oreilles. Le son de ton jeu, ouais. Ouais. Faut que je reset le stream. Attends, je l'enlève là. Hop. Hop. Oh, c'est bon, on a rien. Hop là. On a rien, spoil. C'est good? Ouais, là c'est bon, tu peux relancer. Je vois pas le... Et vas-y, petite dernière là, le temps de triangle. Putain. Horrible. Allons Luc, essaye de résoudre cette énigme. Hop là. Oh putain, encore un truc avec des tri... Ah, l'image et le sucre représentent un triangle divisé en plusieurs zones. Combien de triangles au total? Attends. Oh. Alors. C'est bon. Je peux faire ça, ok. C'est bon, t'es là? Ah non, t'es pas encore là. Si, c'est là. Yep, là c'est bon, ça marche. Bon, alors, j'en ai... Oh, ça va être chiant. Ok, j'en ai un ici. Ok. Deux. On va faire les obvious pour commencer, juste. Les obvious qui sont vraiment là dès le départ. 3, 4, et le grand tout autour, 5. Donc 5 avec les obvious qui sont déjà là. Ok. 6. T'es là, mec? Il y en a 9, je pense. Ah ouais? 6. 7. Le 8. Je vois même pas l'autre. Ah oui, celui-là. Ah oui, celui-là, là. Ouais, le plus grand 9. Attends, non, ouais, il doit en avoir beaucoup plus. Mais là, j'avoue, c'est trop dur sans le faire de dessin. Ah ouais, j'avoue, moi aussi, c'est dur, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, non, 9, moi j'en vois 9.
Attends, j'essaye de voir de mon côté, mais c'est dur sans... Ouais. Non, je crois qu'il y en a beaucoup plus que 9. Cinq. C'est cool, good. Pour moi, je dirais 9 en vrai, moi. C'est probablement plus, hein. C'est impossible pour moi de me représenter ça sans colorier, vu que je ne représente pas ça. Je passe la souris, mec. J'ai une passe folle. Envoie-la moi, mec. J'en fais un. Vas-y. J'en fais deux. Là, c'est le plus grand. 3. 4. 5. Oh, c'était loin. Oh, c'est un bordel. Voilà, là, il y en a 5. Maintenant, 5. 6. Ah, ça a bugué. Ah bon ? Ok, c'est bon. La 6, tu vois ? Ouais. 6. 7. 8. 9. Ok. Et maintenant. Et t'as. Ah, 9, attends, 9, 10. Ouais, et t'as l'autre. C'est genre, t'as l'autre de. C'est genre de manière parallèle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, t'en as un autre avec la grosse diagonale. Lui là ? Ouais. Et t'en as un autre avec la grosse diagonale. Celui-là, je l'ai fait déjà. Ah, tu l'as déjà fait ? Là, j'en ai 11 du coup. 11. En fait, je pense qu'il faut juste qu'on prenne les sommets et qu'on voit si. Ouais, tu peux pas calculer, ouais. Ouais, ça doit être beaucoup plus simple. Non, mais genre, par exemple, celui-là, il y a combien de rectangles, pardon, de triangles qui vont avec celui-là, tu vois ? Je sais pas. 1, 2, 3. Ah 4. Ouais, tu peux faire avec les sommets. Ouais, c'est ça. Je vois 4 qui va avec celui-là. Ah ouais, c'est pas con de faire ça. Ouais, mais bon, c'est. Enfin, c'est... Putain. En vrai, c'est horrible de le faire à deux, je trouve. Ouais, oui, bah oui, ouais. En vrai. Mec, fais-le et je regarde. Oh parce non. Que... Bah, en fait, vu que j'ai pas le. J'avoue que le fait de pas avoir les notes. Attends, bon, vas-y. Attends, bon, vas-y, je vais essayer de faire vite. 1. Non, attends, je vais pas faire comme ça. Donc, 1 avec le grand au milieu. Attends, je me mute et je te juge avec mon chat. 2. 3. 4. Tu trouvais pas qu'il est trop nul, Antoine, en vrai ? Là, j'en ai 4. 4 avec le grand là-bas. Ça, c'est le où il n'y a rien qui traverse nulle part. Ensuite. 5. Ok. Celui-là, il est fait. 5. Attends, mais je vais faire un paint. 6. Ah, fais un paint, mec. 6. 7. Ok. 8. J'ai perdu lesquels j'ai fait ou pas. Vas-y, ça me casse les couilles. Mais en fait, vu que j'ai qu'une seule... T'es là, mec ? Ouais, ouais. Ouais. Vu que j'ai qu'une seule couleur, bah en fait, ça me fait chier parce que bah en fait, j'oublie lesquels j'ai compté ou pas, en fait. Il faut un paint, mec. Obligé, je crois. J'en vois 22. Ah oui. D'accord. D'accord. Les légendes. Je vois 67 triangles, personnellement. Mais c'est pas une compétition. 1, 2, 3, 4. C'est pas une compétition, mais personnellement, j'en vois 60. 8. Putain. J'en voyais 11, c'était là, maintenant j'en vois plus que 8, c'est énorme. Oh vas-y, ça me saoule. Oh, j'ai la flemme de fou de le faire celui-là. Regardez, j'ai fait une pyramide les gens. Et là, vous voyez, en gros, c'est un éclair. Et boum, du coup tu peux faire de l'électricité directement avec la pyramide. T'as compris ? Ah ouais. J'ai la ref.
Ah, franchement, je sais pas, hein, mec. Hein. J'ai pas la ref. Mec, j'ai pas envie de le faire, celui-là. Ouais. Ouais, la flemme. Oh, franchement, la flemme. Viens, attends, on prend tous les indices et on regarde juste. Oh. Il n'y a aucun piège dans cette énigme. Vous devez simplement compter tous les triangles qui sont visibles sur cette image. Oui, ok, soyez très attentifs. Un même côté peut être utilisé pour former plusieurs triangles. Oui, d'accord. Prenez garde de ne pas compter un même triangle deux fois par erreur. Bah ouais, mais j'ai la flemme. Ok. Et pour commencer, comptabiliser le grand triangle. Une ligne part d'un sommet de ce triangle et coupe le côté opposé d'un sommet, ce qui fait deux triangles supplémentaires. Le grand triangle est coupé par trois lignes. Tâchez de compter une seule fois les triangles formés grâce à ces lignes. Ouais, bon, d'accord, bah j'ai bien compris. Ouais, la flemme. Vas-y, la flemme, mec. Tente un 19. Non, c'est 17, mec. 17 ? Bien joué, mec. T'inquiète, bro. Bien joué. Vas-y, hein. Bon, là, vous pouvez dire merci le chat, effectivement, puisque c'est effectivement la réponse que j'ai le plus vue dans le chat, messieurs dames. Ah oui, j'avais pas... Attends, c'est lequel qui me manquait ? Oh, j'avais... Oh, mec, j'avais pas vu le... J'avais vraiment pas vu le c'est le 17. Alors, c'est le plus obvious. Je le compte toujours au départ ? Je l'ai pas vu. Quand je le comptais, je le comptais deux fois. Attends. C'est bon, con. Ok. Mec, on s'est régalé. On s'est régalé. Mais mec, il est 1h du matin. Mec, petit duo de PUBG avant de s'en aller ? Non. En vrai, j'y vais, là. Ok. Désolé, tu m'as traité de streamer prime time l'autre fois. C'est vrai que t'es un streamer showcase, mais je t'aime. Oh, non, c'est ça, pardon. Streamer showcase, c'était ça ce que t'avais dit. Mais tu sais que je te visais pas, hein, en vrai. Mais après, ouais, c'est un genre. La vie de ma mère, je te visais pas. Maintenant que tu le dis. Vas-y. Maintenant que tu le dis. Non, c'était un hommage à une époque où Domingo était un streamer showcase et même lui en rigolait. Et maintenant, c'est plus un streamer showcase, PA. Mais il y a eu un moment où, genre, même lui, il le disait, parce que vu qu'il fait 9000 trucs à côté, des fois, il faisait des streams de genre 40 minutes. Streamer showcase, en gros, tu lances à 20h, tu finis à minuit, quoi. Non, pour moi, un streamer showcase, c'était 20h, 21h30. Ce qui est possible. Quoi ? 20h, 21h30, c'est showcase. Mais quand tu fais 8000 trucs à côté, c'est explicable, quoi. Mais personne stream de 20h à 21h30. Ça arrivait avant, mec. Il y avait une méta. Hein. Avant, il y avait une méta, 3 quarts d'heure, 1 heure. Hein. Je te jure. Quoi ? Mais pour moi, des lives qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure, personne fait ça. Je te jure. Mais il y avait une méta avant. Ah ouais ? Il y avait une méta. Les gens qui disent Mastu, c'est pas vrai en plus. Il fait des lives peut-être courts et tout, mais après, le truc c'est que. Bah, c'est des gens qui font d'autres choses à côté. Twitch, c'est pas sa plateforme principale et tout, donc voilà. Et c'est ce que je disais, mec. Mais maintenant que tu le dis, t'es un streamer showcase, Antoine, si tu ne joues pas à PUBG maintenant.